Salut à tous, une vidéo qui est la suite de la précédente où je parlais de la fausse bonne idée des installateurs sociaux pour Arch Linux. Après avoir installé facilement une Arch Linux, il y a des distributions qui considèrent que l'on peut maintenir facilement une Arch Linux. Je considère que c'est une erreur parce que pour maintenir une Arch Linux, il faut quand même s'y connaître un minimum en ligne de commande, ne serait-ce que pour les passages un peu chauds. Donc, je vais vous citer deux exemples qui ont chacun une forme d'erreur par rapport aux distributions facilitatrices. D'un côté, nous avons l'Arch Linux développé par Eric Dubois, et de l'autre, nous avons la Namib GNU Linux, alias la Manjaro, enfin la Is No Good, qui va être Manjaro à la place d'un Manjaro. Voilà. Donc, c'est la suite de cette vidéo. Vous remarquerez déjà les statistiques qu'il y a dessus. Bref. Donc, l'Arch Linux, c'est ça. C'est une distribution développée par Eric Dubois, qui se veut assez, disons-nous, pédagogique. Parce qu'il y a plusieurs phases. C'est une base Arch Linux, avec des éléments d'AUR et des éléments clés par Arch Linux. Le gros point faible, c'est la triple casquette. Ça rend l'ISO 3 fois plus lourde. Bref. Mais c'est une distribution qui se veut pédagogique, parce qu'il y a plusieurs phases. D'abord, la première phase, c'est savoir utiliser Arch Linux, après passer à Arch Linux D et installer une interface. La troisième phase, c'est installer un environnement plus compliqué. Bref, c'est vraiment très pédagogique. Je ne sais pas si nombreux utilisateurs de l'Arch Linux iront jusqu'au bout. Ça, peu importe. Donc, la dernière ISO date du fin mai, début juin. Voilà, 1er juin, donc 31 mai, 1er juin. Et la Namib, elle est beaucoup plus vieille. C'est celle qui a légèrement, dirons-nous, copié. Copieusement les outils de Manjaro, et si on va sur la partie téléchargement, on s'aperçoit que la dernière ISO, la dernière série d'ISO, c'est les .02 en GNOME, KDE, XFCE, UMAT. Donc 18.02, on peut se dire février 2018. Il y a un gros point qui concerne le passage vers PAMAC 6.4.0 et PAC-MAN 5.1 qui risque de poser problème. C'est seulement ça qu'on va observer. Et d'ailleurs, merci Microsoft d'avoir acheté GitHub. Maintenant, Manjaro a migré sur GitLab. Là, le dépôt PAMAC de GitLab. Et tous les bugs et compagnie qui ont été migrés. Donc, merci Microsoft d'avoir acheté GitHub. Super. Donc là, je ferme tout ça. Cette vidéo, je vais vous présenter les deux distributions. Donc, je vous renvoie le redatage pour tout ça. J'ai installé les distributions et je les ai laissées dans leur jus, avec leur dépôt tiers, mais sans aucune mise à jour après l'installation. Donc, je vais commencer par là, Arch Linux. Développé par Eric Dubois. Donc, le problème de l'Arch, c'est qu'elle est un peu lourde. Parce qu'on a à la fois XFCE pour les personnes qui débutent, Openbox pour les intermédiaires et i3 pour les avancés. Au lieu de proposer trois ISO, il n'en propose qu'une seule. Ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de paquets. Donc là, l'ISO est sorti il y a quelques jours au moment où j'enregistre la vidéo. Et d'ailleurs, je ne vais pas montrer, mais il y a PAMAC 6.4.0 qui est sorti il y a 2 jours, le 2 juin. On est le 4 juin au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, on va faire la mise à jour en utilisant les outils graphiques. Parce que ça veut être ici son simplificatrice, donc on va passer par les outils graphiques. Quitte à couper si l'installation est trop longue. Je pense qu'avec l'Arco, je suis obligé de. L'Arco. Avec la Namib, je suis obligé de faire une coupure parce que sinon, ça va être très long. Vous voyez, ça, je trouve ça un peu surchargé. Bref, on lance notre ami PAMAC. Voilà. Et on fait la recherche de mise à jour. Il nous dit qu'il y a 107 mises à jour à faire. On va les effectuer. Il y a quand même pas mal de paquets, comme vous pouvez le voir. Hein. Il y a Pac-Man qui passe en mise à jour et compagnie. Donc, on va appliquer les mises à jour. Donc, comme il nous annonce, là, il y a ça aussi. Il nous annonce, voyons, peut-être qu'il va mettre aussi la taille, 3 minutes restantes. Donc, le mieux, c'est que je vais couper le temps de la mise à jour pour éviter du blabla. Et je reviens une fois les mises à jour installées. Allez, dans 3 minutes. Voilà, 3 petites minutes sont passées. Je me note pour le redatage.
Ouais, 3 minutes. Et comme dans les mises à jour, il y avait le noyau Linux, on va faire redémarrer l'ensemble, ne serait-ce que pour le faire prendre en compte. Et après, on verra le gros problème que j'ai pu constater dans la distribution facilitatrice, qu'est l'Arco. Donc, on redémarre pour faire prendre en compte le noyau 4.6.13. Et donc là, vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes. Donc là, on va se connecter. Il y a toujours le problème de décalage horaire. Je ne sais pas pourquoi avec les distributions Arch Linux, j'ai un décalage horaire dans VirtualBox. Bon, c'est pas le plus grave. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la machine virtuelle même. Donc, là, on va voir quels sont les paquets tiers installés. Donc, on va dans la gestion des paquets et on va dans les paquets étrangers. Installés. Orphelin, non, il n'y en a pas apparemment. Paquets étrangers. Donc, Calamares, pourquoi il est conservé. Mais si on regarde, il y a bien sûr PAMAC. PAMAC AUR, mais en version 6.3.3. Je crois que c'était la 6.3.4 qui était la dernière version en date. Ben, ça s'explique tout seul. Hein. Pour éviter d'avoir des emmerdes, Eric Dubois a désactivé le dépôt AUR, le support d'AUR. Dommage, parce que c'est un petit problème. Parce que si certains paquets AUR qui sont mis à jour et pas le reste, ça peut finir par créer des interférences. Donc là, on va le mettre dans le bureau, enfin, le répertoire utilisateur, et là, on va redemander la recherche de mise à jour. Et comme étrangement, il y a deux paquets qui arrivent, PAMAC AUR 6.4 et INXI. Donc on va les faire compiler. Donc là, c'est un petit bug qui peut être tendancieux à terme. Parce que quand même, PAMAC, ce n'est pas un outil anodin. Ça permet de gérer graphiquement les paquets. Ce n'est pas un outil anodin. Ne serait-ce qu'avec les nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver. Donc là, bien sûr, Eric a légèrement contourner le problème, mais c'est quand même con de se retrouver avec des versions obsolètes de PAMAC. Parce que comme PAMAC dépend plus ou moins de Pac-Man, ouille. Donc là, c'est assez rapide à compiler. Mais voilà, c'est un problème. On peut se retrouver avec des paquets qui ne sont pas mis à jour. Et normalement, tout doit être mis à jour sur une base Arch. Tout. Pas de mise à jour partielle. Enfin, quand il n'y a pas trop de paquets AUR, c'est normal, c'est facile. Mais là, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu plus... Bref, donc là, on va fermer ça. On va se déconnecter. Pour faire prendre en compte nouveau PAMAC. Là, comme ça, tout sera mis à jour. Voilà. Donc là, maintenant, si on fait la recherche de PAMAC, une fois que ça chargé, bien sûr, si on fait à propos de PAMAC, version 6.4. Et si on regarde maintenant les dépôts, dans le dépôt officiel d'Arch Linux Repo, parce qu'il peut très bien arriver qu'Eric décide de dire j'en ai marre et je me tire. Est-ce qu'il y a des paquets qui sont vraiment, dirons-nous, essentiels? Bon, mis à part les paquets graphiques, je ne vois pas quoi. Il y a peut-être Obelogout, mais je pense qu'on peut le récupérer sur AUR. Idem pour Slim. Donc, il y a peut-être un ou deux paquets qui sont un peu chiants, mais ça ne casse pas complètement la distribution. C'est pas la joie. Mais si on regarde dans les paquets étrangers, en clair, AUR, combien il y en a? Une sacrée tripotée. Oh ben c'est sympa de savoir combien il y en a. Hein. On va lancer Terminator. Donc là, on va faire un petit clear. Il y a 1231 paquets. Merci les trois environnements. Donc si on fait un pacman-qm, je me demande pourquoi il demande sudo, parce que c'est une simple opération de recherche sur les bases de données, donc pas besoin d'accéder. Il n'y a ni suppression, ni ajout de logiciel. Pourquoi? Voilà, on se trouve quand même une sacrée liste. Et si on demande le nombre de paquets, «
56 paquetières. Comment dire, ça peut quand même piquer. Bon, mais ça, c'est le principe d'avoir trois environnements, parce qu'il y a des paquets qui dépendent de certains environnements uniquement. Donc là, OBMON et Generator, ça n'a rien à voir avec XFCE, ni I3. Si on prend Package Query, c'est yaourt, donc bref. I3 Gap et I3 ne dépend pas d'OpenBox, ni de XFCE, et ainsi de suite. Donc il y a des paquets qui pourraient très bien disparaître. Donc vous voyez, là, c'est une distribution qui est très intéressante. Elle est vraiment... Le principe pédagogique est intéressant. Mais le problème, un, c'est que la vérification des mises à jour sur AUR est désactivée. C'est con, ne serait-ce que pour PAMAC, qui dépend d'AUR. Et deux, on se retrouve avec une tripotée incroyable de paquets tiers à cause du triple environnement. Bien sûr, si c'était une distribution avec un seul environnement, ça serait un peu réduit. Donc le problème, c'est les paquets tiers en trop grande quantité. Mais c'est pas mortel. C'est moins mortel que ce que je vais vous montrer. On va passer à la NAMIB. Et là, vous allez comprendre que c'est déjà un peu plus chatouilleux. Donc, notre ami la NAMIB, j'ai pris la version matée pour des raisons de taille. Et vous allez voir que c'est aussi une version 18.02, ça fait penser à février-mars 2018. Parce que souvent, c'est l'année sur deux chiffres, avec le mois sur deux chiffres, pour la numérotation des distributions, ce qui est logique. Donc là, je vais me connecter. Et si on regarde, on va lancer le moniteur système pour voir quel noyau utiliser. Sachant qu'on est au 4, 16, 13 actuellement. 4, 15, 5. Oi. Oi, oi, oi. Et si on fait un petit uname-a pour savoir de quand est le noyau? Toujours dans le terminal. D'accord. Février 2018. En gros, l'ISO a 4 mois. On va voir le nombre de mises à jour qui nous sont proposées. C'est dans le paquet. On va commencer déjà par voir les dépôts. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le NAMIB repo? Le menu Brisk. Tout ce qui est, dirons-nous, les recopies des outils Manjaro settings, les outils Manjaro, NHWD, NHWDB. Oh putain, pour ça, merci. On a PAMAC AUR, on a Rhythm and Box, bref. Ça dépend du dépôt tiers, donc. Vous voyez déjà, vous avez déjà une petite idée du problème. Si un jour le développeur décide à la marque, pour des raisons plus ou moins avouable, le projet s'arrête. Vous avez installé cette distribution. À terme, elle se cassera la gueule. Donc là, on va voir la taille nécessaire pour les mises à jour. 470 mises à jour. Oh, je sens que ça va piquer. Et on va les appliquer, les mises à jour. 1 giga. Donc, on lance. Donc, il est 14h29. Voilà. Je mets en pause à peu près pour 10 minutes, un quart d'heure. Il nous reste combien? 5 minutes. On va aller dire dans 7 minutes, je suis de retour pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, un quart d'heure est passé. Et on va finir la mise à jour d'un NAMIB. Ben, c'est bon. Et on va redémarrer parce qu'à pauvre bête, il n'y a pas eu de mise à jour. C'est vrai qu'un giga de mise à jour, ça pique. Avec une ISO qui n'a pas été mise à jour pendant près de 4 mois, c'est normal qu'on se retrouve avec un giga au final. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près, on va dire, 250 à 300 mégas en moyenne chaque mois de mise à jour sur une Arch Linux. Ça dépend des mois, bien sûr. Ça dépend aussi si vous avez un environnement lourd ou léger. Donc, on va se connecter. Toujours décalage horaire. Je ne sais pas pourquoi, là, il m'a carrément décalé de 10 minutes ou d'un quart d'heure, ce con. Non, carrément 2 minutes de décalage. C'est pas bien grave, on s'en fout, c'est juste pour montrer la vidéo. Voilà. Donc, normalement,
On va voir s'il a bien fait son boulot, le mainteneur, en mettant la version PAMAC à jour entièrement. Simple à savoir. Paf. Paf. Ouais, c'est bon. Donc, on va voir s'il a fait comme Eric Dubois et mis à l'as la mise à jour des paquets AUR. Bon, mais c'est normal parce que c'est le réglage par défaut de PAMAC. C'est pas grave. Crac, comme ça. On va vérifier qu'il n'y a pas de paquet AUR à mettre à jour. N'y en a pas. Bon, on va juste lancer le Nabib Setting Manager, alias le fork plus ou moins officiel du Manjaro Setting Manager, si vous voyez ce que je veux dire. Sans commentaire. Et on va mettre le paquet à jour. Comme ça, on récupère. Oh, le beau bug! Ah, je sais pourquoi! C'est vrai, il n'a pas mis à jour le Manjaro Setting Manager, il n'a pas forké suffisamment pour que ça prenne en compte le bug que j'avais rapporté dans une vidéo, que je me rappelle, que je mettrai dans le descriptif. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voyez! Ah, c'est bête ça, hein? On va essayer. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser des distributions basées sur Arch pure et dure, soi-disant simplificatrices. Deuxième effet qui se coule. Bon, ça c'est pas grave, on passera plus tard. Mais on va voir par contre le niveau de paquet tiers qui pourrait arriver au cas où le développeur dise j'en ai marre et je me tire. Ou simplement qu'il n'ait plus de temps physique de s'occuper de la distribution. Donc on va juste faire un petit terminal. On va faire un sudo nano, etc. pacman.d, pacman.conf, pardon. Et on va juste désactiver le dépôt Nabib comme si le développeur laissait tomber pour des raisons A, B, C ou D ou diverses. Et on va faire un petit treezen parce que je sais qu'il y a treezen qui est installé, SYYQ. D'accord. Il y a un problème de paquet. Et même un problème de réseau, je dirais. Me dis pas que Pacman n'a pas été mis à jour. Si, pourtant. Etc. Pacman.d, numéro liste. Normalement, c'est bon. D'accord. D'accord. Bon, mais vous voyez déjà, la distribution est pétée. Parce que les dépôts ne sont pas valides. Très bien. Ok, c'est cool. Bon, on va modifier le pacman.list avec un dépôt qui fonctionne. C'est bien ça aussi, hein? Donc, je vais utiliser le dépôt que j'utilise sur mon Arch Linux officiel et on va voir si ça fonctionne un peu mieux. Mais nom de Zeus. On va commenter le reste. Pour être sûr certains qui ne vont pas m'ennuyer. En tout cas, c'est la surprise incroyable. Je ne me doutais pas qu'il allait me faire ce bug, sans pas fait. Est-ce que j'ai au moins du réseau? Ah zut! D'accord, je n'ai même pas de réseau.
super. Je sais pas pourquoi le réseau est parti en cacahuète. On va recommencer. Toujours pas, je n'ai pas de réseau. C'est pas possible, bon sang. J'ai du réseau ailleurs. J'ai le même box que fonctionnel. Donc je vais essayer autre chose. Oui, c'est bien ça aussi. Hein. Alors on va faire sudo dhcpct mp3.0. D'accord, IPA. MP0S3, bien sûr. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu mettre le réseau en route. Mais punaise! J'ai pourtant du réseau, bordel! Bon, ce que je vais faire, c'est redémarrer carrément tout. Et je vais voir si j'ai du réseau. C'est quand même bizarre. J'ai du réseau, la preuve. Je vous apporte la preuve, je vais sur PAMAC. J'ai du réseau. Donc, la machine virtuelle a carrément pété un câble. Nien. Cette pauvre Namim n'a pas supporté le choc des mises à jour. Oh, pauvre bête. C'est quand même bizarre ce bug. Là, c'est les aléas du direct. Donc là, je vais voir cette fois-ci. Ah, j'ai l'heure qui est correcte. J'ai le réseau qui est passé. Je ne sais pas pourquoi c'est pas passé la première fois. Les joies. Donc, on va voir maintenant si je refais un petit tri de scène. Donc, désolé pour les aléas du direct. Merci, Namib. Voilà. Et maintenant, je vais voir la liste des paquets. Regardez-moi tout ça. Donc, je sais que Karakakaesu est mort. Celui-là aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va juste réactiver temporairement le dépôt. C'est pas ça que je vais faire. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu de réseau. Vous voyez, si un jour, la distribution Clams, vous avez 1, 2, 3, on va dire, ça fait deux premiers. Donc, on va faire Pacman-QM WC-L. En gros, vous avez 18 paquets qui ne sont pas mis à jour. Pas 18, mais une bonne partie. Voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui ne peuvent plus être mis à jour. Donc, je vais réactiver temporairement. Je ne sais pas pourquoi cet enfoiré de réseau a décidé de péter un câble. Etc. Pacman.conf. Donc, si je réactive. Voilà. Et si je fais un tritzen moins SYYQ. Donc ça c'est bon. Il y en a trois apparemment qui sont morts. On va virer le paquet orphelin. Tac. 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 En tout cas, le bug du réseau qui est mort. Ouais, super! Wonderful. Ça c'est bien. Donc maintenant, si on fait un pacman.qm pour savoir le nombre de paquets tiers qu'il y a. Tiens. On ne nous a pas viré. Ah d'accord, j'ai compris pourquoi. J'essaie de virer ces trois-là. Je pense qu'il va me dire. Parce que Karakakaesu est mort. Donc là, il n'y a aucun paquet tiers maintenant. Donc c'est bon. Si on redésactive le pacman.conf. Désolé pour la vidéo, la fin de la vidéo qui est un peu olé olé, mais ça, c'est les aléas du direct. Et donc si on fait un pacman-qm. Donc on se retrouve avec tout ça. Donc mis à part PAMAKUR, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paquets qui seront
inutilisable. Donc vous voyez le problème, d'un côté on a une distribution, l'ARCO, qui démultiplie les paquets tiers parce qu'elle est un peu chargée, mais qui au moins a la bonne idée de ne pas avoir un dépôt qui a trop de logiciels cruciaux dépendants. Mais de l'autre côté, on a l'AMIB, dans les logiciels cruciaux qui sont dépendants, comme le fork de MHWD, le fork du Manager Setting Manager qui ne fonctionne pas très bien. Non, mais ça peut fonctionner. Cette fois-ci, il va vouloir me récupérer les paquets ou pas. Cette fois-ci, il va me récupérer les paquets. Donc là, c'était par rapport au réseau manquant. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans un cas avec une distribution. Bon, il y aura toujours un certain nombre de paquets tiers, c'est récupérable. Mais dans le cas d'un AMIB, si elle clams, tous les outils un peu sensibles, vous êtes coincé. Voilà. Bon, Eric Dubois, le papa de la ARCO, a contourné ça en désactivant AUR par défaut. Mais c'est un peu contourner le problème. Donc, vous voyez pourquoi. Vous comprenez pourquoi les distributions simplificatrices, je ne suis pas vraiment fan. Parce que déjà, la grosse mise à jour m'a pété, ça pouvait très bien arriver, mais m'a pété le réseau. Donc là, ça arrive. Mais aussi, le problème, c'est que des distributions de Arch pure et dure simplifiées, c'est casse-gueule. Soit parce que les dépôts tiers proposés contiennent des outils sensibles, soit parce qu'il y a trop de dépôts tiers pour juste faire du paquet tiers, justement, pour rendre l'ensemble utilisable. Voilà. Donc, désolé pour la fin de la vidéo qui était un peu catastrophique. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !